Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On attaque une saga sur le canard gras. Nous, on est dans les Landes, donc voilà, on a la chance d'avoir les canards très, très, très proches de chez nous et un ami qui me les fournit. Je le remercie, Pascal. Donc, on va voir ensemble comment casser un canard gras et puis voir comment transformer les différents morceaux. Je vous dis à vos planches, à vos couteaux, c'est parti! Donc voilà, nous sommes partis pour démonter ce canard qui vient d'être abattu aujourd'hui et qui va nous produire plein de petites charcuteries, notamment le foie gras. Donc là, je vais commencer par prélever, vous voyez, le foie est déjà là, la cuisse. Prélever les deux cuisses. Vous voyez, là, on arrive vraiment, le foie est là. Donc, on arrive vraiment à fleur. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir un canard qui est abattu tout fraîchement. Comme ça nous permet d'avoir un foie qui va beaucoup moins fondre à la cuisson. Alors certains préféreront aller chercher le foie en premier. C'est une technique. Maintenant, moi, je suis d'avis d'aller chercher d'abord les cuisses pour avoir une vue déjà un peu plus dégagée sur l'arrière du canard, ce qui va nous permettre de pouvoir mieux ouvrir. Là, je vais récupérer que la peau grasse, ce qui me servira ensuite à faire ma graisse de canard éventuellement. Voilà. Donc là, on a notre foie qui est là et on va pouvoir y accéder plus facilement en ayant enlevé les cuisses. Vous voyez. Et là, on va aller chercher jusqu'à l'œsophage. On contourne en dessous, voilà, avec la main, voilà. Donc on a forcément tout l'intérieur du canard, hein. D'où l'intérêt d'y aller quand même à la main, ça va éviter de percer quoi que ce soit. Et d'avoir du jus d'intestin ou quoi qui coule les excréments. Voilà. Donc là, on va pouvoir accéder aux viscères. Faites toujours attention au fiel là, qui risquerait, en étant percé, de couler sur le foie et de donner une certaine amertume. Donc là, on n'a quasiment rien à récupérer sur ces viscères, si ce n'est le gésier. Voilà. A few moments later. Donc si d'aventure vous percez, ayez toujours un petit sopalin à portée de la main pour pouvoir tout de suite éponger. Donc vous voyez là, nous avons un beau foie. On va se le garder pour plus tard. On va continuer de casser notre canard. Donc voilà, là on a donc
les deux magrets. Donc on va chercher ce qu'on appelle le bateau. Là, on est sur l'os. On descend. On essaye de laisser le minimum de viande sur la carcasse. Là, on va chercher l'articulation de l'aile. Et on arrive, on coupe au niveau du dos du canard. Donc là, j'ai mon magret entier. Je vais juste enlever mon manchon au niveau de l'articulation. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai un joli magret. J'enlève les petites choses indésirables. Si j'ai un peu trop de grain, je l'enlève, je le garde avec l'excédent de gras que je transformerai en graisse de canard. Là, bon, je le pars copieusement parce que dans une prochaine recette qui vous sera diffusée, on fera un magret fumé. Donc ça sert à rien, il y a trop de graisse autour. Voilà. Et là, pour les puristes, alors certains le laissent sur la carcasse et font retirer la carcasse pour la manger. Mais pour les puristes qui laissent l'aiguillette sur le magret, voilà, c'est ce petit morceau-là. Je ne sais pas si vous avez vu. À la base, il était collé comme ça contre la carcasse. D'accord ? Donc là, il était là. Je l'ai décollé. Je le mets de côté avec mon magret. Je fais pareil de l'autre côté. Je racle vraiment. Alors là, on a le bréchet. On va aller le décoller. C'est ce fameux os en Y pour ceux qui connaissent. Hein, j'ai décollé. J'essaye de rester vraiment à la main pour que vous puissiez voir au maximum. Là, je vais aller décoller juste le bras. J'ai mon bréchet qui est là. Voilà. Et là, j'arrive, comme tout à l'heure, long de ma carcasse, sur l'articulation. De l'aile. Là, j'arrive sur le dos. Vous voyez ? Et donc voilà, j'ai mon deuxième magret. Là, comme tout à l'heure, j'enlève. Alors, on pourrait laisser les aiguillettes sur le magret pour sécher, mais sécher ou même fumer, mais il va avoir tendance à se décoller en fait du magret en séchant ou en fumant. Voilà. Le manchon, je le dégraisse. Alors il y a plusieurs solutions, c'est soit on dégraisse le manchon pour le mettre à confire, faire des manchons confits, soit vous faites des rillettes avec. Voilà. Voilà. Donc voilà. En ce qui concerne la carcasse,
Eh bien, il y a plusieurs options. Donc là, vous voyez, on a tout enlevé. Il reste encore les poumons, mais on a enlevé quand même le principal. Donc, si vous avez un couteau à talon, par exemple, un petit coup sec comme ça, ou une feuille. Voilà. Je me suis mal pris du premier coup. Là, on dégage le cou. Donc on a forcément l'œsophage. Délicatement, on essaye. En fin de compte, ça se défait. On prend par le dessus, vous avez vu, j'ai incisé sans trop forcer. Et là, on le laisse. Et là, on arrive à tirer l'ensemble. Certains diront, on le pèle. Hein. Donc voilà, là on a notre peau de cou, entre guillemets, on peut la redégraisser un peu. Et puis si on veut faire un coup de canard farci, eh bien on reprendra cette peau. Et on confectionnera une farce, une chair qui nous permettra de le garnir, de le reconstituer, entre guillemets. Et puis de le recoudre et de le faire cuire tel que. Voilà. Donc là, ce qui concerne la peau de coudoir. Donc là, pour continuer, on a nos trachées. On va passer en dessous. Là. On va essayer. Alors, le moins évident, bon, là on arrive à la fin, mais il faut dégager l'intérieur pour pouvoir extirper. Toujours un petit peu de casse à cet endroit-là, ça peut arriver. On essuiera ou on rincera suivant l'aliment qu'il y a, du maïs ou de la pâtée, on appelle ça dans le jargon agricole, de gaveur de canard. Voilà. Donc là, on va prendre le soin de le rincer. A few moments later. Donc voilà. Là maintenant, si vous devez confectionner, par exemple, un jus de canard, ou un fond de canard, ou si vous voulez faire quelque chose de vos os, même pour une soupe, hein, par exemple, hein. Vous pouvez faire une soupe, une base de soupe, faire un bouillon, voilà. Donc vous récupérez vos os, mais voilà, là vous avez les poumons et plein de petites choses là à l'intérieur. Alors ça, on va l'enlever parce que ça va pas être super. Toute cette partie là, pareil. Si vous faites un jus, ces parties-là sont pas top et ça pourrait venir troubler soit la couleur, soit quelquefois le goût. Donc, c'est toujours mieux d'enlever. Donc voilà. Là, on a encore un peu de reste de pâté, donc à la fin, on rincera bien. Donc voilà. Maintenant, on va enlever le croupion. Voilà. On va rincer notre carcasse. 10 seconds later. Voilà. Et donc là, vous avez le cou qui peut partir soit en cou confit, soit en rillette, par exemple. Et le reste de votre carcasse qui est prête pour éventuellement faire un jus, un fond pour rôtir au fond. Donc voilà, on a cassé. Donc, notre canard, le cou
ira éventuellement en rillettes ou en coups confits ou comme vous voulez, rôti, manger comme ça, comme vous voulez. Donc voilà, on a vraiment vu comment casser notre animal avant de réaliser les divers produits et variés qu'on peut réaliser avec. Donc voilà, on a vu ensemble comment dépecer ce canard, comment le casser, entre guillemets, comment tirer la meilleure partie des morceaux. Et ben, par la suite, dans les prochaines vidéos, vous verrez comment transformer tous ces morceaux. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, instructive. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu et puis de la partager. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et puis vous retrouvez dans la barre d'infos eh bien, l'adresse de mon site internet où vous retrouverez tous les déroulés des recettes et ainsi que les grammages, les temps, les durées de salage, etc. Et puis tous les réseaux sociaux qui sont liés à ce site. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie, ciao!